Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Paper Mario Color Splash et c'est le moment de continuer notre aventure. Let's go! Alors, je suis de retour au cirque et j'ai trouvé le dernier membre de la squad. Et mon dieu, que la file est longue. Est-ce que ça, c'est pour moi? C'est une file pour moi? Merci beaucoup! Toad 24, Mario, est-ce que tu nous aides à accomplir notre mission? Il faut te concentrer. Voyons voir ce qu'ils vont dire. Nous 30... Oh my god, ils disent tous quelque chose de différent! Moi, je vais pas lire tout ça, voyons donc, mais... Kudos aux développeurs qui ont écrit un truc pour chaque personne. Le nouveau est là. Tous les 50 membres de l'escouade de sauvetage rouge sont réunis et il ne reste plus qu'à attendre que le spectacle commence. Est-ce que c'est toi qui paye? Ah, ok, oupsie daisy, c'est bon. Donc, blablabla, je croyais qu'il fallait parler à ce mec-là encore une fois pour commencer la mission, mais non. Le Cirque Emeraude va bientôt présenter son spectacle puisque nous avons une grande foule qui est rassemblée ici. Oh ouais, là on parle, on va faire un carton. Merci de votre patience, veuillez entrer et prendre place. Ils ont fait la file pour rien parce qu'ils sont tous en train de se dépêcher pour entrer là-dedans, voyons donc. Oh Pépito, ça va? Ok, il est content. C'est tout ce qui compte, hein? Aïe. Joli endroit. Wow, donc c'est ça un cirque, c'est vraiment plein de vie. Tous les sièges sont occupés et le public a hâte de voir le spectacle. C'est la première fois que je vais au cirque, alors j'ai vraiment très hâte. Je ne vais pas m'asseoir. Mesdames, messieurs, Toad et Mascache, le Cirque Emeraude vous souhaite la bienvenue. Notre grand spectacle va bientôt commencer. Et sans plus tarder, laissez-moi vous présenter notre premier numéro, c'est celui dont tout le monde parle. Le spectacle d'illusion de Lemmy! Merci beaucoup, je suis Lemmy, le plus grand et le plus humble illusionniste du monde. Les choses que vous allez voir pourraient vous choquer, elles pourraient vous étonner, mais surtout, elles vont vous impressionner. Lumière! Bien, le maître de cirque ici n'est qu'un masquage comme on en voit tous les jours. Oui, toi, tu n'as pas consulté le scénario du spectacle? Oh. Il sait pas ce qui se passe là. Et maintenant, regardez ceci. Ma baguette magique. Des pouvoirs magiques obscurs dans un petit bâton pratique et facile d'utilisation. Maintenant, vous le voyez. Ça marche! Quoi? Où est-il passé? Est-ce que je l'ai vaporisé? Waouh! Papa! Vous, monsieur, l'avez-vous vu? Merci beaucoup! Vous êtes facile à plaire! Et maintenant? La grande étoile peinte! C'est bien vrai, c'est tout à fait vrai. C'est une grande étoile peinte verte toute brillante. Suivez-la bien des yeux. Ne fais pas ça, mon gars. Pourquoi vous êtes en train d'applaudir surtout les Toads? Kéhéhé, où est-ce que cette grande étoile peinte a bien pu aller? Vous là, avec la moustache ridicule et le pot de peinture rouillé. Où croyez-vous que cette très grande étoile peinte est allée? J'espère que tu n'en avais pas besoin, Mario. Maudit attardé mental. Wow! Oui, l'étoile peinte, ce Lemmy l'a fait disparaître avant de prendre la fuite. Quoi? Lemmy a disparu? C'était pas dans le scénario, ça! Voyons donc! Oh là là, oh non, vite! Faut trouver quelque chose! Allez sur scène, improvisez! Cher public, nous éprouvons quelques difficultés techniques. Il semblerait que notre artiste ait disparu. Alors profitez bien de cette entracte non planifiée. Mario, ce Lemmy doit être à la salle de Bowser. Je le savais déjà que j'ai vu sa face. Hey! Je peux encore sentir la grande étoile peinte, alors elle ne peut pas être bien loin. Allons à sa recherche.
Oh, pauvre les Toads, ils sont tous fâchés. Oh, come on, boys. Mais bon, allez. Je peux pas faire ça, c'est bon. Parlez. Comment il a fait ça? Il a juste disparu. Pouf! Ok, toi, t'as quelque chose d'autre à dire. Je me demande si cette baguette magique, mais vraiment, elle a l'air frousse. Okay, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est tout ce que t'as à dire. Toi? Pouf! Pas d'entraque, je vais te rembourser. Et voyons donc, les amis. Vous, vous avez quoi à dire? Il y a déjà un entraque, ça vient juste de commencer. C'est vrai, hein? Plus d'illusions, j'adore les illusions. Recommencer les illusions. En fait, c'est plus d'illusions, pas plus. Si. J'ai aimé le bout où le gars a disparu et était parti, il n'est jamais revenu. Ah! C'est le seul bout qu'il y a ici. Waouh! C'est la panique dehors. Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Je n'avais aucune idée que Lenny allait disparaître comme ça. Quel sens du spectacle! Je sais pas si tu es capable parce que t'as du plaisir ou bien t'es stressé parce que tu sais plus quoi faire. Le spectacle a été interrompu et la foule s'impatiente. Quelqu'un doit les avertir pendant qu'on prépare le prochain numéro. Les Yoshi se sont enfuis dans toute cette confusion. Ils sont plutôt énervés, alors fais attention. Waouh, il est gentil de m'avertir comme ça. Ça fait longtemps, Mario. Merci de m'avoir aidé à sortir de cet hôtel hanté. Ça me donne encore la chair de poule juste à y penser. Je te dois une grosse faveur. Je suis venu ici pour sortir mes amis de ces cages. Je ne sais pas pourquoi ils tenaient autant à venir ici. Moi non plus, boss. Hey, bon, c'est tout ce que tu as à dire. Tu me laisses pas te sauter dessus comme ça? Ok, intéressant. Ok, maintenant. En regardant de plus près, cette cage n'est pas aussi bien que je le croyais. J'ai décidé d'être un Yoshi libre et sans cage. Voyons donc. Ok, c'est bon. J'ai presque échappé mon crayon, oups! Merci beaucoup. Pas très très intéressant, hein? La balle sur laquelle l'ennemi se promène est plus fragile qu'elle en a l'air. Je parie qu'un truc bien pointu pourrait la crever. Il faudrait par contre qu'il soit distrait par quelque chose d'autre avant de faire ça. Merci beaucoup pour cette astuce! L'ennemi a simplement disparu, le connaissant, ça fait sûrement partie de sa performance. Ou bien il s'accorde une petite pause. Faut dire que dès qu'il entend de la musique, il ne contrôle plus. Oh, ok, ok, de la musique, genre, ok, c'est bon. Donc, je peux aller là-dedans. Mais j'ai appris quelque chose. Il me faut quelque chose de pointu pour péter son ballon. Et je veux voir si j'en ai un. Attendez, une bonne carte chose. J'ai juste un marteau de charpentier et un navet. Le reste, ce sont des répliques. J'ai un réplique de pique à glace. Je crois que je peux utiliser la réplique de pique à glace. Ça devrait être correct, hein? On va tenter le coup. Okay, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon. Sauvegarde en cours. Oh, regardez ça! C'est le truc de Bowser et de Bowser Junior! Je peux pas. Ah. Le cirque émeraude recrute voyager dans le monde et doublure masquage sont chaudement préférés. Tu vas en trouver partout, mon gars. Voyons donc. Ok, ça c'est une chose. Ah voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai dit qu'il me manquait deux choses. Eh bien, j'en ai trouvé une. Maintenant, il me reste encore une chose. Boule miroir obtenu. Cette relique d'un autre âge fait son grand retour, tous sur la piste de danse. Je sais déjà ce qu'il faut faire. Il faut que je le distrais avec la boule de disco. Et ensuite, j'utilise le pic à glace. Papa, papa, papa. C'est le seul truc pointu que j'ai avec moi. Alors, on va tenter le coup. C'est bon. Et nous sommes de retour. Merci de votre patience. Veuillez applaudir chaleureusement. Le spectacle époustouflant de Mario et Pintruc. Soyez pas gênés, les gars. Non, 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 je suis pas bon devant les foules. Bon, advienne que pour un gloups. Vous aimez les imitations? Tout le monde est attentif. Parce que les boîtes de conserve sont toujours comme... Ce public est dur. Cette blague faisait rire tout le monde dans les îles de recyclage. Je croyais que... Parce que le papier aussi se recycle, non?
À mon tour. Ok Mario, tu connais des blagues? Dis-moi que tu as quelque chose pour nous sortir du trouble. Je suis muet, mais on va trouver quelque chose. Oh! Ah! Tu m'as bien eu! T'as plusieurs vies, mon gars! Vraiment? Ils ont aimé ça? Mon imitation de boîte de conserve à foirer? Il me faut un champignon! Ah ah! Ça, c'est le Mario qu'on connaît! Maintenant, le moment que vous attendiez tous, le grand spectacle du Cirque Emeraude! Ces performances qui peuvent défier la mort vont vous faire tenir sur le bout de votre chaise! Et sur ce, que la fête commence! Quelle belle musique! Veuillez accueillir sur la scène une bête terrifiante qui possède 8 têtes, 16 yeux et une roue. Les introvertis mobiles, les masques sur monocycle. Wow! Ok, c'est bon. Donc, ça compte comme étant un seul ennemi. Alors, je crois que je peux essayer de faire un pow. Et ensuite de sauter sur eux. On va essayer un triple saut. Bon. En tout, je peux utiliser 4 cartes. Mais je veux voir ce que ça fait tout d'abord avec ces 2 cartes. Yoshi! C'est quoi ça? Qui a laissé ce Yoshi sortir? Oh non. Tu te bats contre moi? Mario bloque avec expertise l'appétit vorace de Yoshi. Et Pepito! C'est quoi ton problème? Fais ça au masquage, voyons donc. Ok, je peux pas vraiment les bousculer avec le power. Okay. Intéressant. Ok. C'est bon. Une chance que j'ai pris un triple saut, hein. Bravo! Oh, merci beaucoup pour cet argent. Merci beaucoup. Eh bien, ces gars-là n'auront pas fait long feu, et parlant de feu, donnons un accueil plus chaleureux que cette saison à nos prochains invités, les bêtes préhistoriques qui crachent du feu et leurs misérables dresseurs. Y'a pas de Yoshi, là. Je suis en train de faire une bataille entre la vie et la mort, et tout le monde, tout ce qu'ils ont à faire, c'est wouhou. C'est comme, guys, come on, bro. Oui, on va utiliser des fleurs pour les massacrer. Est-ce que j'ai une fleur de glace quelque part? Ok, ouais, c'est bon. Hop. On va mettre de la peinture partout. Voilà. Yoshi, come on, bro. Je comprends pas c'est quoi son problème. Peut-être que si je ne garde pas cette attaque, il va me voler une carte. Est-ce que c'est possible? Oh, ils sont tellement... Je savais pas qu'ils étaient aussi résistants que ça. C'est la première fois que je me bats contre eux. Ok. C'est bon. Maintenant je sais qu'ils sont résistants. Hein? Slam. Choum. Oh oh, là tu es dans le pétrin Mario. Sans leur dresseur, les dinorhinos sauvages sont enragés. Très bien, tiens bien ta moustache. Oh. What the fuck boy. Oh my god, une chance que je me suis... Ah, j'ai foiré mon cou ici. Ah non. Oh. Ok. Un autre dresseur. Oh, c'est le dresseur de réserve, t'en as de la chance. Ok, c'est bon. Faut pas que je tue le dresseur tout de suite. Alors, j'essaie quoi faire. On va utiliser un POW. Comme ça, je vais pas le tuer. Et ensuite, pour les autres... On va utiliser des quoi là. On va utiliser ça. On va utiliser... Oh, j'ai trop de cartes. Ok. Selon moi, je devrais être en mesure de les tuer avec ça.
Bon, ok. Voilà. Ok, ce marteau ne fait pas vraiment beaucoup de dégâts, hein? J'ai tué le dresseur. My bad, my bad. Ok, un autre dresseur. Ah, tabarnouche, il y en a combien, guys? Pas comme s'ils vont t'écouter, petit masque-cache. Ok. J'aurais dû acheter des cartes. J'ai trop de marteaux. Damn, son. J'ai trop de marteaux pour rien. Ok, on va en utiliser ici. On va utiliser ça. Ça. C'est bon. Je veux quand même garder des cartes pour me battre contre l'ennemi. Come on, boys. J'ai pas pu l'envoyer sur l'autre bonhomme. Ok. C'est bon. Bon. Je suis dans le pétrin. Ok. Ah! Ah! C'est bon. Ok. Là, c'est ça, 100%. Je vais les tuer. Regardez ça. Si je ne réussis pas... Ah, non. J'allais utiliser une grande fleur. Mais oubliez ça. Je vais garder ma grande fleur. Ça? Et... ça. Si je ne réussis pas à les tuer avec ça, je saute par la fenêtre. C'est bon? Shadam! Bon. Oups. Hop. Lap. Sop. Ching Chong. Ok, c'est ça avec triple saut, je vais le... Oh. Pépito. Oh. J'ai cru qu'il allait m'attaquer lorsqu'il a reculé un peu. Ok, est-ce que t'es fâché que je suis en train de tuer ton père, là? Ok, il est dead. Beau spectacle, merci beaucoup. Il y en a qui disent bouh. Quoi? Pourquoi? Continuons cette petite fête. C'est un spectacle d'équilibriste jamais vu dans ce bas monde. Dites bonjour à la terrifiante Tour Blindule. What the fuck, guys? Est-ce que j'utilise un POW? Je pourrais utiliser un saut de fer pour être honnête avec vous, hein? Ouais, ok, attendez. Est-ce que j'ai un mini saut de fer? Non. Ouais, c'est bon. Attends. Non, ça c'est un saut en série. Qu'est-ce que tu fais là, Polo? What the fuck? Ça c'est un giga saut de fer. Ah, oh. Ok, j'ai une idée. Ça. J'ai pas d'autre. Ok, ça. Je suis en train de choisir mes cartes, je suis vraiment désolé. Quelque chose comme ça, ça devrait être correct. Ok. Hop. Ok. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'effet, j'aurais dû utiliser un POW. Ouais, j'aurais dû utiliser un POW ici. Oh, vous êtes... J'espère que je ne serai pas obligé de me battre contre l'ennemi tout de suite et que je peux sauvegarder à la place. Okay. Un power là. Et ok, on va utiliser ce grand saut de fer. Et là, je crois que je peux utiliser ça. Comme ça. On va faire un test. Je vais pas utiliser trop de cartes pour rien. Bon. Voilà. Ah, j'ai même pas eu besoin d'utiliser...
Quoi? Ils ont perdu l'équilibre? C'est pas dans le scénario! T'es la dit, Buffy! Ok, j'ai même pas besoin de massacrer l'autre bonhomme! Ok, c'est une bonne chose! Pas ton coupolo! Non! Lorsqu'il saute derrière, là! Comme. En arrière, pardon! Ça me déconcentre tellement! Ok, il est dead! 6, 7, 8, 9. Juste assez. Arrêtez avec votre bouche. Je sais que vous êtes les méchants là. Mais quand même. Ok, maintenant pour la performance finale, les méchants gardent la voltige. Les masques cachent sur trampoline. Ok, j'ai pas besoin de me battre contre l'ennemi pour l'instant. Merci beaucoup. Intéressant, ok. Faut que je pète la trampoline tout d'abord, je pense. Et on va tenter le coup. Donnez-moi une seconde. Je vais prendre marteau voie loin. Et ensuite, saut mes sauts. Non. Non. Ok, ils sont là. C'est bon. Ça. Ok, les boys. J'utilise 2 cartes sur 4. Parce que je ne sais pas si mes attaques vont marcher. Okay. Lui, il va faire un saut en arrière, hein. Non! Je me fais toujours avoir! Tabarnak! Oh! Ok, ça marche. Les masques sur trampoline sont tombés. Ok, c'est bon. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Ok, il y en avait 15. Oh boy! Ouf! Beau spectacle! Quelle performance époustouflante! Applaudissons chaleureusement à tous nos artistes de ce soir! On me donne pas de tips pour la dernière performance? Ok, ok, voilà, voilà! Il y en a qui me lancent des boîtes là! Et c'est tout pour nous! Merci infiniment aux étoiles de notre spectacle de ce soir, Mario et Peinturion! Merci de votre présence ce soir! N'oubliez pas de visiter notre boutique de marchandises en sortant! De la marchandise, j'en ai rien à faire de la marchandise, je veux la grande étoile peinte. Où est ce clone de l'ennemi? Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, partager cette vidéo sur Facebook, Twitter et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye!